Si vous souffrez d'arthrose cervicale, vous avez peut-être visionné ma vidéo intitulée « Douleur cervicale, arthrose, pincement discal, le mouvement interdit » dont vous trouvez les coordonnées au-dessus et ci-dessous. Cette vidéo a connu un énorme succès par rapport à mes autres vidéos santé. J'en ai fait reçu de nombreux commentaires élogieux et de non moins nombreuses questions d'internautes souffrant de cette pathologie et pour qui les traitements classiques soit sont inopérants, soit insuffisants et qui cherchent des solutions naturelles pour améliorer la situation. Soyons clairs, je ne propose de traitement que pour les problèmes qui ne nécessitent pas d'opération chirurgicale, pour par exemple une paralysie ayant pour origine une hernie discale cervicale ou une atteinte traumatique de type fracture, entorse grave, luxation ou une tumeur nécessitant un traitement orthopédique ou de neurochirurgie. Par contre, 80% des arthroses et des douleurs cervicales chroniques peuvent être améliorées par le traitement naturel synergique que j'ai mis au point pour moi-même il y a 10 ans et que j'utilise depuis pour tous mes patients souffrant de la colonne vertébrale en général, mais plus particulièrement de la région cervicale et de ses conséquences névralgiques au niveau du haut du dos, de la tête, des épaules, des bras, des mains, ou encore souffrant de troubles posturaux affectant le bassin, les genoux et les pieds. Ce sondage auquel je vous remercie de participer, donc vous trouvez en dessous le lien pour y participer, ce sondage me permettra d'évaluer vos besoins et de savoir si une formation personnelle pratique sous forme de vidéos et de conseils pour résoudre ces problèmes difficiles vous intéresse. Mon nouveau projet de formation sur l'auto-prise en charge de votre santé cervicale complète et va plus loin que les livres dans lesquels j'ai traité de ce sujet, notamment le livre du dos, mon guide anti-mal de dos que vous trouvez dans ma librairie numérique. Mon projet de formation sous forme de module condensé est en préparation. Mais avant de le mettre à votre disposition, j'ai besoin de connaître votre problématique afin de répondre le plus précisément possible aux questions que vous vous posez. Un détail très important, même si vous n'avez mal que de temps en temps, au changement de saison, au changement de temps, lorsque vous êtes stressé, même si la douleur n'est pas encore handicapante, il est essentiel pour votre avenir vertébral d'agir sans tarder, c'est-à-dire dès maintenant et préventivement pour éviter le passage à la chronicité, la dégénération inéluctable de vos cartilages et vos disques vertébraux. Vous faites partie sans doute des 75% des personnes qui ont, il y a des années, voire des décennies, eu un accident direct ou indirect de type coup de lapin, ayant blessé vos ligaments et cartilages cervicaux. Or, une telle blessure, même légère, perturbe les délicats équilibres des vertèbres cervicales qui supportent le poids de la tête qui est, rappelons-le, de 5 kg. Vous comprenez que le moindre décalage, le moindre blocage chronique, la moindre rétraction des nombreux muscles et fascias du cou entraîne inéluctablement une usure ultra rapide des cartilages et des disques de l'étage vertébral concerné ainsi que de ses voisins. C'est pour ça que l'on voit sur les radios une vertèbre très usée et les voisines qui commencent à s'user. Parce qu'on est toujours obligé de compenser. C'est souvent le cas entre C5 et C6 où se situent les lésions les plus graves, accompagnées d'une perte de la courbure normale, courbure cervicale, ce qu'on appelle la lordose, qui aggrave la pression sur les disques. J'espère dans cette courte vidéo vous avoir fait comprendre l'intérêt d'une prise en charge sérieuse de votre précieux capital vertébral. Si vous me suivez, c'est que vous êtes une personne sérieuse, responsable de votre santé. Mais le plus souvent, vous n'avez pas accès aux ressources synergiques les plus fiables des méthodes naturelles. Ou, si vous les utilisez, vous les utilisez peut-être d'une manière incomplète, dans le mauvais ordre, ou encore sans la solidité et la durée nécessaires à la réussite. Je suis le cobaye expérimentateur de cette méthode axitale qui associe
les traitements d'ostéopathie et ou de chiropraxie dispensés par votre praticien et les techniques de méthodes naturelles complémentaires de santé durable que vous voyez résumées sur ce tableau. Dans une première webconférence accessible sur simple inscription, je vous expliquerai comment j'ai conçu cette méthode et comment elle m'a permis d'éviter une opération chirurgicale au niveau de la base du cou, au niveau du coude et de la main, suite à des paralysies, et surtout de continuer à travailler tout à fait normalement et sans aucune douleur. Vous voyez, donc tout est parfaitement en ordre. Voilà, 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 rotation, voilà. Mais c'est un travail de tous les jours et je vais vous faire partager mon expérience pour que vous puissiez utiliser vous-même, chez vous, au travail, sans appareil coûteux, sans dépenses autres que les produits naturels et huiles essentielles et bien entendu le nécessaire suivi ostéopathique et postural périodique de mieux en mieux pris en charge par les bonnes mutuelles santé. Je vous remercie par avance de votre participation. Donc, il suffit de marquer oui ou non. Hein, c'est pas compliqué. Et ça me permet d'évaluer vos véritables besoins. Si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, cliquez sur la cloche notification afin de les recevoir à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, vous pouvez aller sur la page d'inscription du sondage. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.